Peuple haïtien, peuple des Lévites, bonjour. C'est un plaisir pour nous avec vous matin, dans l'heure qui est réservée pour la prédication de la parole de Dieu. Pour nous commencer, nous avons baissé tête non et nous avons prié. Papa, nous qui sommes ciel là, notre Dieu, notre Créateur, le Dieu d'Israël, nous invoquons parmi nous parce que c'est celle ou même qui est Dieu. Après ou pas de l'autre encore. Père, nous glorifions pour tout bienfait, pour toute merveille qu'on opère parmi nous. Papa, veuille nous assister par ton Saint-Esprit. Veuille parler à travers ta servante ce matin, parce que ton peuple écoute. Nous te prions ainsi avec l'assurance que tu pardonnes nos péchés. Au nom de Jésus, amen. Matin, nous comptons et nous prenons chanter une seule strophe dans le numéro Amen, chantez-moi. Un parfait sauveur est ici qui t'invite à te jeter dans ses bras. Un salut parfait, il t'acquit le mérite. Tu n'as qu'à faire qu'un pas, un seul pas, un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'a fermé sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. C'est lui seul qui peut briser les chaînes des esclaves de Satan. Des larmes à ses pieds ne sont jamais vaines. Jésus pardonne à l'instant. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'a fermé sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Maintenant, nous allons parler de l'inspiration des prophéties. Lorsque bon Dieu fait une prédiction, ou du moins l'Éternel fait une prophétie, lui toujours accompli. C'est preuve que parole est inspirée. Pablien dit-nous, l'Éternel suscité en Haïti 12 000 missionnaires pour faire travailler. MDC, ministère des 10 commandements. Après 10 commandements, pas de l'autre encore. Un garantie. Après 10 commandements, après message 10 commandements, pour traverser dans Nouvelle Haïti, pas l'autre encore. Bon Dieu, relez-nous, Josué. Il dit pour nous transférer peuple à Bali dans Nouvelle Haïti. Pour nous traverser peuple à Bali dans Nouvelle Haïti. Même Jean Josué, tu traverses peuple là du désert à la terre promise. Et puis là, il arrivait, il mettait au chita dans le pays, il établit dans le pays. Et bien, c'est même responsabilité ça, bon Dieu confié à nous, dans le ministère de MDC, dans le ministère des 10 commandements. Bon Dieu, il y a petit lit, qui était éparpillé sous terrain en Haïti. Bon Dieu, il y a petit lit, qui était trouvé dans le troupeau. Troupeau qui passe sous direction l'Éternel Yahweh, même si y a cité non Yahweh. Bon Dieu, que petit lit qui te dispersé, de vrais missionnaires, de bons missionnaires, qui te dispersé sous terrain Haïti. Ou qu'on a une bonne nouvelle à partager avant matin. Bon Dieu, fait plan pour te rassembler tout petit lit dans un seul troupeau. Il dit ça dans la Bible, il dit comme ça que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette pâturage ça. Il faut qu'il aille chercher.
So, c'est ici que mon Dieu a cherché l'autre brebis qui dans l'autre pâturage pour le mener au vin dans vrai parti, dans vrai pâturage là, dans vrai bergerie. Ah, ma gonne sous compte ça. L'Éternel a rassemblé petit lio. Nous avons près de 120 missionnaires, si ce n'est pas plus même, qui étaient éparpillés sous terrain dans d'autres bergeries. Bergeries que l'Éternel paraît connaître. Laissez-moi voir qu'on est. L'Éternel a cherché petit lio. Dans l'autre bergerie, côté qu'il y a une non qu'elle paraît connaître. Il mène toute vie dans une seule bergerie, dans MDC. L'Éternel n'a pas quitté petit li en bas mes ennemis. Missionnaires, ça a été comme sorti. Ils ont été comme le travail. Ils ont réalisé que ils ont fait 3 semaines sous terre. Ils n'ont pas jamais qu'à mettre mon petit grain de poisson pour l'Éternel. Parce que, étant missionnaires, nous sommes des pêcheurs d'hommes. Ok? Ils n'ont pas jamais pêché un grain d'homme pour l'Éternel. Ils ont remarqué. Ils ont remarqué qui est wrong dans le message là. Comment faire? Ils ont sorti 3 semaines, ils ont prêché, 10 commandements dans mes yeux, ils ont eu 2 milliers de postes, 10 commandements dans mes yeux, ils n'ont pas même prêché, ils ont âme pour l'Éternel. Ils ont remarqué qu'il y a un bagage qui n'a pas marché. Eh bien, ils ont cherché la présence de Dieu. Dieu qui fait 3 jours de consécration, ils ont agenou devant l'Éternel, ils ont relé l'Éternel. Ah, mon Dieu n'a pas dormi. C'est le Dieu qui écoute les prières. C'est Dieu ça qui m'a servi. Le Dieu qui entend les prières de ses enfants. Enfant qu'on est. L'Éternel rassemble tout bon missionnaire ça yo. En bas un seul troupeau. MDC. Et missionnaire ça yo, les sorti kounye a. C'est pas un petit grain d'âme, non, il y a le péché. C'est des centaines d'âmes qui ont péché pour l'Éternel. C'est des milliers d'âmes qui ont péché pour l'Éternel. Mais ils viennent dans le royaume de l'Éternel. MDC, bon Dieu, choisis-le souterrain pour faire travail. C'est pour fier, pour répondre à l'appel. Parce que bon Dieu prend soin de nous. Il ne va pas quitter nos gémis, il ne va pas quitter nos souffrir. Il va nous manger, il va nous boire. Il va nous tout ça nos besoins. Et même lorsque nous avons besoin de l'argent dans la poche, nous, l'Éternel voit l'argent dans nous maintenant dans la poche. Nous. Dans ce moment-là, il y a un monde, bon Dieu, si c'était dans quel. Pour le faire MDC cadeau, on fait une somme d'argent. Il y a un monde en Haïti. Il pote une somme d'argent. Fait missionnaire, cadeau. Pour que. Yo capable gen moyen de transportation pour que yo capable circuler les alfa baptême yo les besoin machine pour yo capable prendre machine pour yo capable circuler l'Éternel pas jamais guider nous orphelins nous besoin mégaphone l'Éternel voye mégaphone nous besoin batterie l'Éternel voye moun qui fait nos cadeaux qui porte 12 douzaines batterie des caisses de batterie gen fait nos cadeaux qui porte 8 caisses batterie. Et chaque caisse gagne 8 douzaines la donne. Pour que mégaphone nous pas jambes éternes l'en a prêché. Est-ce qu'on est qui bon Dieu m'a servi? Est-ce qu'on est qui bon Dieu ministère des 10 commandements m'a servi? De pour gagne bon cœur, ou décide pour servir bon Dieu tout bon, l'Éternel pas qui t'en fait noir. La menon veni dans pâturage MDC. Côté qui wap content, wap à l'aise. Monsieur ça veut dire yo content, yo senti yo à l'aise, yo senti yo en paix parce que yo dans la de la vraie bergerie. N'attend nous toutes qui dans mauvaise bergerie. N'attend nous toutes parce que bon Dieu choisi MDC comme Josué pour transférer petit Léo dans la vraie bergerie et pour yo rentrer dans la nouvelle Haïti. C'est sous ombre là MDC on va rentrer dans nouvelle Haïti. On garantit tout. C'est pas Pierre m'a fait. Il c'est pas loin je m'a fait. C'est job Josia m'a fait. C'est en bas ombre là MDC on va rentrer en bas dans nouvelle Haïti.
Si vous avez un problème à message, nous allons gêner, allons prier l'Éternel. C'est MDC, bon Dieu, mettez en charge. C'est MDC qui a fait nomination. Sorry, les élections. Hein? C'est MDC l'Éternel choisi pour faire. Soutan des moun kap di grimace souterrain, c'est ennemi qui en action. Ennemi prend gros coup. Ennemi prend gros coup semaine passée. Ennemi prend gros coup. L'Éternel rache tout petit en bas mes ennemis. Même si elle a bat keul, c'est dernier coup de keul à la bat. Ennemi presque disparaît souterrain Haïti. OK? Ennemi prend gros frappe. L'Éternel a ramasser petit li yo. Non mais ennemi pour le mettre dans la vraie bergerie, pas là, MDC. L'Éternel a pris toute petite lio, ou même, qui toujours, sous la domination de l'ennemi, côté qu'on parle de freedom, ou pas qu'à faire rien, ou senti qu'on va poser, ou surtout pas sur vraie route là. C'est parce qu'on vraiment pas sur vraie route là. Vini, vini joindre MDC. C'est la bergerie l'Éternel la yé. C'est ça qui vrai bergerie l'Éternel la qui a prêché la parole de Dieu, qui a prêché la Bible. C'est la Bible nous prêché. C'est la parole de Dieu nous prêché. Ce sont les prophéties de Dieu que nous partager avec vous. Nous pas partager l'autre parole avec vous. Vienne joindre MDC pour nous rentrer avec moi dans nouvelle Haïti. Paré l'autre route, paré route pas bois. Paré te en bas de l'ennemi. Paré te en bas de l'ennemi, kap bay faux message. Faux message réincarnation. Faux message maman Marie. Faux message vierge noire. Faux message. Faux message qui mélange avec idole, idolâtrie. Faux message on va adorer moun. Faux message. Ou pas adorer le Seigneur en esprit en vérité dans les lieux très hauts. Ou pas adorer le monde qui campe devant. Non! C'est l'Éternel dans les lieux très hauts pour adorer en esprit et en vérité. L'Éternel mettez-moi là pour me parler, m'a parlé. Moi, l'ennemi en vini. Il vini avec un gros coup de poing pour la frapper dans le dôme. Pendant que je prêche un gros message pour l'Éternel. Et puis, il va frapper, moi, il fait coup de poing pour le frapper. Il dit, si ce n'est pas de parler, débouche là. L'Éternel dit, parlez. Et m'a parlé. Et Jésus m'a là pour le délivrer. Parce que coup de poing n'a pas arrivé dans le dôme. Elle m'a pris un coup. Elle m'a fâché. Il m'a dit, si ce n'est pas de parler, parce que il m'a parlé. Ce n'est pas mille n'a fait baptême, elle m'a parlé. C'est mille mouns qui ont baptisé. Des églises à entrer dans sa parole l'Éternel là, l'aime parler. L'Éternel met des pouvoirs sous moi pour me parler pour lui. L'Éternel choisit près de 5 groupes qu'on y a qui prier pour message tomber. L'Éternel dit prêcher pour peuple y a converti. Prêcher pour m'arracher moun qui kay faux prophète pour yo sortir. Sorti en bas mes faux prophètes. Sorti en bas mes faux bergers. Sorti en bas mes faux pasteurs. Sorti. C'est l'Éternel même qui voyait mes messages dernier temps ça. Pour sorti. Côté ou à terri kay faux berger et faux prophète. Sorti ou t'es aveuglé ou pas te comprendre. Debout ou pas comprendre. Ou à poser question. Dire ça drôle ou pas comprendre. L'Éternel m'a pas fonctionné comme ça. Et mes couilles sorti, chapé pour nous. C'est parce qu'on a mauvais route. Santé. Ou non, mauvais ou tout bon. De vous avoir un petit doute, c'est parce qu'on a mauvais ou tout bon. Santé. Et bien, il y a plus que 120 missionnaires qui sont déjà la semaine passée. Qui viennent joindre nous. Qu'on y a souhait, j'ai un travail. Un travail pour Yahweh. Ils sont en paix. Ils sont contents. Ils sont réjouis. Ils sont dans la vraie, dans la bonne pâturage. Dans la bonne bergerie, excusez-moi. Il y a une vraie bergerie. Il y a content. Il y a confortable, il dormit en paix. Ou même qui sentit que on doutait. Ou pas qu'à dormir en paix.
Ou senti que vous n'avez pas de questions sur le cœur qui pas clarifié, qui pas clair. C'est jeté devant l'Éternel, la voyons au côté pour aller à. La voyons vite de MDC. Et bon Dieu, pour MDC souterrain. Si MDC n'est pas sorti de Dieu, hey! Il y a gros association souterrain qui t'a crasé nous déjà, oui. Ils ont même dit, oh, 12 000 missionnaires. Il y a même quelqu'un qui dit 12 000 missionnaires, non? Ils ont dit, oh, ni ou même. Les 12 000 missionnaires, non, tout a péri, non, tout a mouru, non, tout a disparu. Comme si, c'est pas qu'il pas de nous venir régler. Non, l'Éternel nous a envoyés sur le terrain. L'Éternel pas non non poté. C'est l'Éternel même qui dit, depuis que je commence à prêcher, mais ça, l'Éternel dit, c'est grand prêtre qui m'a envoyé. C'est l'Éternel même qui dit, moi, depuis longtemps, pour travailler ça, ou à faire là. L'Éternel m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté, pour démarrer, pour délier des chaînes, des faux prophètes. Et pour ça, même moi, venu. Ennemi a fait 2 ans souterrain à propager faux messages sur télévision. Tout côté. Et mieux grand pile agent souterrain qui a propagé faux message pour lui. À la dernière minute, nous sommes souterrain depuis 2 ans tout. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas vraiment ouais nous. Parce que nous avons dit commandement de maison en maison. Nous ne pouvons pas entrer dans ce baptême. Aussitôt que l'Éternel va nous l'ordre pour nous faire baptême, nous commençons à baptiser nous par 2600, 2500, 2000. Petit nombre de baptisés, c'est 600. Quand y allons nous arriver dans la zone nord-ouest, là, nous commençons à descendre dans 500. Laissez-moi dire. L'Éternel double nous de force. Les voyez l'autre monsieur de venir jouer à nous. Quand y a 1000 personnes baptisées sous terre. Par jour. Par jour, 1000 personnes baptisées sous terre. L'Éternel double nous de force. L'Éternel prend soin de petit lio. Il prend soin de missionnel lio. Il prend soin de travail. Ou comment on comprend, monsieur de Guy, presque 6 mois d'ailleurs, il mange, il boit, il dormi. Il va jamais quoi dormir dans la cabane de la caille. Il mange, il boit, il dormi pendant près de 6 mois. Il a fait travail mettre lui. Il compte qui moun qui rele là. Il compte qui Yahweh qui rele là, qui fait appel à lui. Et nous, qu'on Haïti, on paye chaleur, on paye. Bruit empêche de dormir. On paye tête fait mal. Eh bien, ces serviteurs-là, ils ont choisi pour prendre toute tête fait mal pour Yahweh, pour bon Dieu. Je vais vous montrer un message là. Parce que moi, je suis tellement content. Je me dis avant de pire avec MDC. Ce sont des merveilles qui ont passé dans MDC. Gros merveilles. C'est ça nous avons fait, c'est louer bon Dieu. J'aime tout là. Nous marchons à terre, mais comme si pieds nous pas touché terre, c'est l'en a passé. Tellement l'Éternel a fait merveille avec nous. Les prophéties accomplies, preuve de l'inspiration. Dieu dit qu'il peut révéler l'avenir. Il déclare, voici, les premières choses sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit, selon Esaïe 42. Avant que yon bagay fait, moi vini, moi di ou ça. Pabli et l'Éternel annonce que Haïti pral gen une grosse catastrophe. Ça l'Éternel dit, kap fait, la fait. Dans l'Antiquité, tout ça l'Éternel te prédit, kap fait, li fait. Jésus-Christ te prédit que pap gen Pierre, kap rete sur Pierre, elle te gade temple Jérusalem nan. Est-ce que ton Jésus n'a pas écrasé? Il écrasé, il récrasé encore. Quand on a parlé de construction de un troisième temple, il y a des gens qui ont tout, qui ont construit le troisième temple à pied, il y a des gens qui disent c'est à Jérusalem le troisième temple à construit. Nous même tout, bon Dieu, nous construisons un temple près de 100% de adorateurs à Titanien. Nous ne connaissons pas si c'est top panneau qui a le troisième temple là ou bien si c'est. Tant que vous allez reconstruire à Jérusalem, côté toute nation a versé l'argent. Nous ne connaissons pas.
Mais nous avons prié, nous avons une réponse sur ça. Qui côté Jésus-Christ vraiment a descendu? Sur le mont des Oliviers physiquement? Ou bien parmi son peuple? Priez pour réponse, parce que nous n'avons pas de réponse là. Puisque Dieu est capable d'annoncer la fin dès le commencement, l'accomplissement de la prophétie est devenu un puissant témoignage pour l'inspiration de la Bible. Ça qui rend la Bible fort, c'est parce que ça, bon Dieu dit, quand arrive, il arrive. Bon Dieu te prévenir, la venue de l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus te fait à travers Marie, nous allons dire la Vierge Marie. Marie te gagne 7 autres petites. Si vous voulez, on l'a nous avons prouvé dans le Nouveau Testament. Ok? Nous avons prouvé. Marie te gagne 7 autres petites. On dame qui a accouché 7 petits moun ou pas carré le Vierge. C'est travail l'ennemi. Hein? Qui est le Marie, Vierge Marie? Marie pas Vierge Marie. Marie fin fait Jésus. Lire était Madame Joseph, lui fait 7 autres petits moun. Ok, so, en passant, tu es obligé de clarifier ça pour vous. Et ce n'est pas là mon message. Tout ça, mon Dieu dit, qu'a fait, il fait. Babylone, bon Dieu te prédit qu'il a, il pas là encore. Premier royaume qui te gagne, c'est le royaume Babylone. Bon Dieu te prédit que le royaume Babylone a fait faillite. Quand le royaume Babylone, elle fait route, lui. Ok? Dans Jérémie, il dit, allez à l'emplacement de la Babylone ancienne et vous découvrirez qu'elle est en ruine comme Dieu l'avait annoncé. Ok, dans Ésaïe 13, il dit tout bagay pour aller en ruine. Après, il va aller en ruine vraiment. Ok, qu'est-ce que Dieu avait dit que l'a fait de la ville de Ninive, la grande ville de Ninive? Il te dit parce que ville ça était tombée dans l'idolâtrie. Il t'a fait ça que pas ça, contre bon Dieu, nous changeons les Jonas Théal, sauver ville là. Eh bien, plus tard, ville là, t'es venu tomber dans ça que pas ça encore. Bon Dieu disparaît, yo. Elle dit, ou pas, j'aime place ça encore. Pas, j'aime habitant sur lui encore. Ninive était une grande ville. Elle avait une superficie de 7 500. Ses murs entouraient 1640 aspens de terre. Dans les fouilles espérées aux environs de Ninive, des vestiges des palais de Sennacherib, ok, ça est mon qui était occupé à diriger ville ça, il dit un prisme en argile qui te représentait 15 portes dans les murs de Ninive. Il y a montré comment ville a été fortifiée. Ces murs étaient de 60 pieds de haut. Et bâti hôtel, non? Parce que nous on a fait quand on a Haïti c'est 10 pieds non fait. En forcé pour faire 12 pieds. So imagine si nous faisons 12 pieds. Nous avons qui hôte? Mini niveau 60 pieds de haut. 40 pieds d'épaisseur. Largeur. Ok? Ça passe. Bon Dieu, Bon Dieu, il va là encore. Tout ça, bon Dieu dit, qu'a fait, la fête. C'est ça que fait une assurance. Moi, quoi? Sans souci. L'Éternel dit, la font catastrophe pour laver le pays, pour nettoyer le pays. L'Éternel dit, pas de élection. Pas de jambes élection. Bobine, nous mettons toute gros idée à Paris, Zamien, à l'étranger, à venir de vous. Pour vous faire élection, pour vous essayer de contredire ça, bon Dieu dit. Nah ouais. Qui côté vous passez pour vous faire élection? Pas de élection. Donc, il y a assurance, n'importe prophétie, bon Dieu, bail, il dit cap privé, la privé, parce que tout ça, bon Dieu, était prédit dans l'Antiquité, il y arrivé. On parlait de image ou bien rêve que Nebuchadnezzar a fait. Parce qu'il te voit statue à présenter de lui, à devant. Premièrement, tu vois notre statue a été faite en or. Les bras de statue étaient en argent. Et puis, votre là, bon, je vais le directement pour nous. Ok.
il fait rêve là. Il dit, que l'été ou est statue a été faite en or, deux bras yo, t'es faite en argent, et puis votre là t'es faite en fer, et puis pied yo, t'es mélangé argile et fer. Ok? Argile et fer pas mélangé. So maintenant, tête là, en or, disparaît. L'estomac là, les Mèdes et les Perses, gouvernement ça a été remplacé Babylone, disparaît. Ok? Après ça, qui gouvernement de fer? Hein? Gouvernement Érin, hein? Kaba, c'est gouvernement grec là. Après ça, nous avons fer. Gouvernement de fer, c'est Rome, méchant, cruel. Gouvernement roméen qui massacrait petit bon Dieu. Kaba. Ok? Après ça, qu'on y a qui règne. Nous avons règne, les orteils, pas les pieds. Les pieds étaient du fer. Sorry, excusez-moi. Les pieds étaient du fer. Qu'on y a assez. Gouvernement roméen qui de fer. Qu'on y a un pied dans les orteils qui fait argile mélangée avec fer. Il dit plus que argile mélangée avec fer. Yo pap jam kole, ce sont les pays de l'Europe. Les pays occidentaux. So pays Europe yo, yo pap jam metet yo ensemble yo uni. En pi gwo wa, Napoléon, Hitler, yo fè effort pour yo réunir l'Europe. Pour yo gen seul gouvernance en bas, pour en bas juridiction yo. Pour yo diriger un seul groupe. Ça va jamais arriver fait et ça va jamais arriver fait parce que l'Éternel déjà parle. So nous en l'Europe, malgré on parler de you like l'Europe unie, you y avait c'est union européenne. Nous hein, bagaille qui relé autant, OK? Autant pas jamais vraiment rester uni solidaire. Ou prend 30 pays ou met ensemble, mais yon pas vraiment karité solidaire pour yon rete uni parce que l'argile est mélangé avec le fer. Ou après que ça bay vote li, l'autre la dit, m'pap bay vote moi, m'pap supporte, m'paka supporte ça, m'pap le supporte. M'a rappelé tout, États-Unis fait partie de groupe ça. Ok? Fait partie de l'Union Occidentale, l'Union Européenne. So now, yon pas ka uni. Nous yon essaye faire réunion. Pour bagay pour bagay Ukraine non que la Syrie que la Russie envahit et qui ça nous est passé c'est pas tout le monde qui d'accord pour yo bay vote yo so l'Union européenne pas jamais réuni d'après prophétie de la parole de Dieu so mais qu'on est si telle guerre porte victoire ou non juste aller dans la Bible chercher le wapwel Gog et Magog wapwel et vous va connaître que est-ce que guerre ça qui est capable de victoire là-dedans? Ou qu'a prédit ou même parce que la parole de Dieu déjà dit ça qui va arriver. So, Hitler passé, il essaie réunir les pays, il pas porter victoire. En conclusion, nous vivons à la fin des temps. Nous devons prêter attention aux conseils de la Bible. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, accrochez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la prophétie de l'Éternel à Baïo. Parce que yo certaine et véritable, y a privé quand même. Pas rien à sortir de là. L'ennemi qui doit porter coup sous terrain. Mais ça va dévier plan mon Dieu. Plan mon Dieu était plan mon Dieu et l'a réussi quand même. L'Éternel dit l'a délivré Haïti. L'a délivré Haïti. Même lorsque nous we old, bon Dieu plus fort pour nous-mêmes dans Dieu pas nous. Bon Dieu plus fort. Qui moun ki ka déraciner bandi sa yo? L'Éternel m'a servi à ka déraciner bandi sa yo. Corruption dit,
gouvernement ça corrompu. Ou sorti depuis l'on quitté. Oh, depuis l'on quitté en 1987. Nous avons toujours entendu des petits radios. Oubliez nos radios, ah oui. Nous avons toujours entendu des petits radios 6h du matin, les dimanches. Mais ça, la radio n'est pas populaire comme ça. C'est 6h du matin, jeudi dimanche matin, pour faire une nouvelle sur Haïti. Après, les fins de jeter Duvalier. Nous avons toujours entendu. So, depuis le mouvement après Duvalier, qui ça a remettre nous? Nothing! Rien! Nous quittons Duvalier, nous tombons dans l'iniquité. Pour jusqu'à nos jours. Iniquité sur iniquité, corruption sur corruption. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît côté punition Haïti a sorti? Est-ce qu'on connaît? L'Éternel t'a déjà écrit dans Deutéronome 28 que nous péchons contre lui, nous refusons de garder commandement et que oiseaux méchants, ils ont mis pied sous cou nous, ils pas jamais quitté nous respirer. Là nous sorti dans chaîne d'esclavage en 1804, nous quitté esclavage sous en bas gouvernement français. Nous entrons en bas esclavage, en bas gouvernement oiseaux méchants depuis 1806. Ils ont envahi nous en 1915. Ils ont maltraité nous. Yo mette nous dans cachot dans fournaise. Ou par contre les oiseaux méchants qu'on mettait ici dans fournaise, allemand des mon naïf. Dans la Tibonite. Combien oiseaux méchants qu'on fait fournaise, yo la petite bon Dieu en Haïti. Tout ça, c'est parce que nous refusons obéir à bon Dieu, oui. N'a dit oh, c'est vodou moi connais. Tout on connait vodou, c'est tout les oiseaux méchants y a piétiné nous. Parce que vous refusez de garder les commandements de l'Éternel. Quelqu'un qui dit, oh, m'a parlé de faire des commandements, commandements. C'est pas commandement, ou commandement, on est mon esclave tout. Non. L'on garde les commandements, l'on garde la loi de l'Éternel, c'est laisser ou libre. Si vous êtes libre, bon, même si nous on dit c'est pas de, c'est pas de la Bible n'a parlé. On dit n'a parlé de loi pays a. Violer une loi pays a, est-ce qu'on libre? Et ben dans prison mettre tout. Viole yon nan loi en Haïti, yon ki kote wap trouvo ou? La prison? Eh bien, ou viole loi bon Dieu, yon ki sante vle pou derive ou tout? Ou enchaîne? Ou pa libre non? Eh bien, oiseaux méchants yon met pied sou kou? Yon piétine ou? Yon emprisonne ou? Yon fò pa ka jwi richesse ki sou terre ou non? Mais essayez garder commandement bon Dieu, pour est-ce que pa rive? Mais cette fois-ci, let me tell you. Qui te m'dou? Jugement mondial arrivé sur Haïti. C'est jugement mondial qui l'a, oui. Ou pas un niveau non arrivé, pas un autre niveau non qu'à descendre plus bas encore. Bandi a fait nous passer trahi sous trahi. Yo gen moun à l'extérieur qui a poussé zamba yo pour yo maltraiter nos plus mal. Et puis yo même yo ka rentré. Yo vin prendre gazoua, yo vin prendre pétrole oua. Yo ka monte sou tèt moun titanyen, yo di moun sa yo pa pou nou, se pou yo. Et puis y a pre iranium ou an. Iranium c'est après Iran. C'est Haïti qui possède plus iranium dans le monde, oui. Iranium ou ka fè télévision avec lui, ou ka fè avion avec lui, oui, ou ka fè zam avec lui, oui. Eh bien, il y a beauté li et puis donne dit oh son terre noir moi a prendre un hélicoptère. Zo son méchant t'a volé vinn jis en Haïti vinn ramasser terre noir. C'est iranium moi y a beauté. Mais on grand pile. Un jour nous besoin c'est nous pour jouer. Très bientôt c'est nous pour le jouer. OK? Très bientôt c'est nous pour l'exploiter parce que moi ou même qu'a t'attendre nous là, on pour le convertir, on pour le baptiser, on pour obéir aux lois de Yahweh, au commandement de Yahweh. Parce que ça le dit, ça le prédit, qu'a fait à travers bouche prophète Lio, y a privé. L'Éternel te prédit, ton peuple a disparaître, l'écrasé. L'Éternel te prédit que Israël t'a parlé en fuite, y aller.
yo trouvé un captif dans Kailot nation. L'Éternel te prédit tout ça yo que t'as pas le fait là yo fait. Apotio après Jésus qui quitté terre là, apotio, l'Éternel te dit, il a jeté en prison pour parole liya, pour message liya. Est-ce qu'il va mettre en prison? Est-ce qu'il va mourir drôle? Est-ce qu'il va mourir crucifié tête en bas? Est-ce qu'il va prendre prison? Est-ce que Jean il va te laguer dans chaudière l'huile bouillie? Et puis après là il pas grand rien arrivé, il exilé dans l'île de Patmos et c'est là qu'il écrit Apocalypse ou bien Révélation. Ça dépend des gens relèl. Tout ça l'Éternel dit qu'à arrivé, il arrivé. So l'Éternel dit al di pe ayisyen ke gwo dlo pral monte. Te a pap suspann tremble. Di pe ayisyen yan, se Izrayelit yo ye, se Juif yo ye. Di yo mete dlo la kayo, mete manje la kayo, li pa loin pou l frape peyi a. Ou même ou dit oh date ap di sa m pa janm kwè rien rive ça rien est pas privé. L'Éternel dit toute prophétie li annonce yo c'est pour servir exemple parce qu'elle toujours fait yo réaliser. Et prophétie sur Haïti a ap réalisé parce que c'est peuple Israël là qui là. L'Éternel garanti elle cementé li signé en bal que ça dit qu'a fait là a fait. Ou même si span fait cou red. Si span rete en bas pour voir les mien pour faire orgueil. Pour quitter les mien mettre mes griffes li sou ou à jamais. Ou ka chapé en bas griffes les mien pour vite joindre Jéhovah. En esprit et en vérité. Pour adorer Jéhovah. Pour reconnaître que Jésus-Christ l'intervention papa a fait pour sauver nous sous la de péché nous yo. Li réel et très bientôt le pral vini. Très bientôt la vini pour réclamer terre ça dans mes vagabonds, dans mes l'ennemi et pour prendre la direction de toutes choses. Quand décision papa, c'est que pour rassembler tout en bas pouvoir petit là. Ma compte sur ça. Jésus-Christ est pour vite prendre tout en bas gouvernement pas. Et que l'ennemi a pour disparaître totalement de la terre. On joue à chercher ça que les vaudous pas joindre nous pas trouver, il pas exister. Quitte vaudou, quitte sorcellerie, tout a disparaître de notre terre. Pas seulement en Haïti non, sur toute la terre. Ça au moins qu'a servi vaudou là pas éternel. Temporairement wap. Pomper dans vaudou là toujours temporairement. L'Éternel prend la vie. L'Éternel prend la vie Haïti à tout sac la donne. Tout sac pas bon a disparaître. C'est celle petite bon Dieu. Bon Dieu scellé avec sol à travers le baptême. C'est celle yo même qui a résisté. Celle yo même qui a résisté. La voye ange vient protéger yo. Et même sous ta wè par accident. Ti katye pou la ta protéje. Ou met konnen. Après catastrophe, wap gen pou asosye ou avec petit bon Dieu pou fè même jan avec yo. Parce que c'est l'homme nou ye. Nou pa ka di ou exactement sa k pral pase. Mais nou konnen. Bon Dieu dit. Moun ka fè rebelyon an bas tsunami ap trouvé. Moun ka fè kou red yo, gwo dlo pral monte pou vin pran yo. So, papi tout a choisi la bonne part, entre dans royaume bon Dieu ya. Please, s'il vous plaît, entre dans royaume bon Dieu ya. Baptisé, pa fè résistance, entre dans royaume bon Dieu ya. Ou konon te nan mauvaise bergerie. Ki te mauvaise bergerie, fè même j'avec l'autre yo.
quitte mauvaise bergerie, vin jwenn Yahweh, nan vraie bergerie là, nan message 10 commandements par les ministres des 10 commandements. MDC, vin jwenn nous. Vin jwenn nous pour nous traverser avant dans Nouvelle Haïti. Mets-toi ensemble avec nous pour nous traverser dans Nouvelle Haïti. C'est là ma prière pour vous. Que vous faites la bonne décision avec le pouvoir de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen.